Bonjour à tous. Bonjour à toutes et bienvenue pour notre première émission en ce 15 juin 2018. Aujourd'hui, les élèves de 3e B et 3e C du collège Jacques de Tristan vous présentent Jacques TV. Cette émission est l'occasion idéale de vous parler de notre dernière année de collégiens à Cléry-Saint-André. En effet, notre année de 3e aura été riche en découvertes. Au sommaire, nous visiterons le FRAC et le Théâtre d'Orléans. Nous plongerons ensuite dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, au programme de 3e en français et en histoire. Puis, en route pour la Normandie, théâtre du débarquement, événement majeur ayant conduit à la libération de la France. Nous embarquerons ensuite pour l'espace et découvrirons l'envol de nos micro-fusées. Nous poursuivrons avec les chroniques plateau concernant la vie quotidienne des 3e de notre collège. Mais pour commencer, partons à la découverte du FRAC avec Dharma et Lilou. Images de Julie et Louane et interview de Madame Fournier, réalisées par Lilou, Dharma et Samantha. Le 25 janvier, les élèves de 3e ont eu la chance de visiter le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain. Malgré la proximité géographique, très peu d'élèves avaient déjà eu la chance de le découvrir. L'acteur principal de la Biennale est Patrick Bouchain. Le thème de l'exposition s'intitule « Marcher dans le rêve d'un autre ». Lors de la visite, nous avons découvert toutes sortes d'œuvres contemporaines. Des photos, des maquettes, des tableaux, et même un cabinet de curiosités contenant toutes sortes d'objets ramenés par Patrick Bouchain lors de ses voyages. Durant la deuxième partie de la visite, nous avons pu découvrir une pièce divisée en plusieurs espaces de la vie quotidienne, composée par exemple de tables et de chaises. L'organisation de cette pièce vise à rappeler le quotidien dans la jungle de Calais. La dernière partie de la visite s'est effectuée dehors. Notre professeur d'art plastique nous a présenté l'architecture très novatrice du FRAC, et nous nous sommes intéressés à l'histoire du bâtiment. Avant, le FRAC était une caserne. Nous avons remarqué que les turbulences situées à l'entrée du musée étaient constituées uniquement de formes géométriques. Le fait que le sol ne soit pas plat partout donne l'impression que le bâtiment est littéralement sorti de terre. Notre professeur a aussi attiré notre attention sur les lumières multicolores qui éclairent les turbulences. Pourquoi avez-vous décidé de nous faire visiter le FRAC ? Alors le FRAC, c'est un site vraiment important dans la région, mais aussi à l'échelle de la France, à l'échelle du monde, parce que c'est un lieu où il y a une collection d'art contemporain, d'architecture expérimentale, donc c'est vraiment très très précis, qui est extrêmement rare, il y en a 3 dans le monde. C'est aussi une architecture assez étonnante par les techniques de conception, les techniques de construction, de Jacob et McFarlane. Souvent, on a un avis, on n'aime pas, on ne comprend pas, on ne sait pas, voilà. Et voilà, ça fait partie des missions de l'école, de mon travail, d'emmener les élèves vers cette culture-là, qui n'est pas forcément facile d'accès au départ. En quoi l'exposition était-elle très novatrice ? Alors, l'exposition était novatrice parce que c'est une biennale et que la demande du directeur, le thème, était de faire dialoguer des artistes contemporains, des architectes contemporains, avec des œuvres qui étaient présentes dans la collection, donc de 1950. Merci Dharma, Lilou et Samantha. Lors de cette journée, nous avons aussi eu la chance de visiter de façon atypique la scène nationale d'Orléans, n'est-ce pas Dharma ? Oui, comme vous le savez, le mardi 23 et le jeudi 25 janvier, les élèves de 3e ont effectué une sortie pédagogique au FRAC et au Théâtre d'Orléans. Le Théâtre d'Orléans a été construit en 1975 par 2 architectes. Il se compose de 3 salles, la salle Touchard, la salle Barreau et la salle Vitesse, qui tiennent leur nom de 3 grands personnages. Pierre-Aimé Touchard était administrateur de théâtre et écrivain français. Jean-Louis Barreau était un comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. Antoine Vitesse était acteur, metteur en scène et poète. La salle Touchard a été rénovée en 2005. Elle est la plus grande des 3 salles, avec 906 places. Ses sièges sont Rouge Théâtre. La salle est composée d'abassons, de 2 vomitoires, de herses, de cintres, de passerelles et de projecteurs, de coulisses non délimitées dans l'espace et d'un écran. Les abassons sont là pour abattre le son, comme son nom l'indique. Les passerelles sont situées au-dessus des spectateurs et servent à installer les projecteurs. L'écran est percé par d'infimes petits trous pour laisser passer la lumière. Pour les passages des spectateurs, il y a les vomitoires. La salle Barreau a été construite en 1994. Elle peut accueillir 604 spectateurs.
Ces sièges sont bleus, dont certains sont disposés en hauteur pour les retardataires. La salle est composée à quelques détails près du même équipement. Malheureusement, nous n'avons pas d'image de la salle vitesse, mais nous allons quand même vous en parler. La salle a été rénovée en 1994. Elle comporte 213 places, mais peut accueillir moins de spectateurs quand la scène est prolongée. Elle était au début réservée aux répétitions, mais elle accueille maintenant le public. Elle n'a aucune passerelle et il faut monter sur des échelles pour régler les projecteurs. Avant d'être régisseur général, j'étais éclairagiste. Et avant d'être éclairagiste, j'étais régisseur lumière. Et avant d'être régisseur lumière, j'étais ma préférence. J'aime aussi bien monter un spectacle que vous rencontrer, que vous raconter les histoires du théâtre. J'aime tout. Il faut tout aimer, autrement, c'est des métiers de passion si on n'aime pas tout. Alors, c'est pas moi qui sélectionne, on a un directeur de la structure qui, lui, choisit les spectacles. Où on fera en sorte que les gens qui n'aiment pas forcément le théâtre viennent. Nous tenons à remercier M. Francisque, le régisseur général, qui a bien voulu répondre à toutes nos questions. Et petite anecdote pour finir, savez-vous pourquoi les sièges de la plupart des théâtres sont rouges ? Figurez-vous qu'avant, les culottes n'existaient pas. Quand les femmes avaient leur menstruation, cela se serait vu sur des sièges d'une autre couleur. Merci Dharma. Tu étais avec Samantha en charge de l'interview et les images étaient d'Ewen et Axel. Après cette balade culturelle, nous allons maintenant vous emmener en Normandie pour vous faire découvrir des sites du débarquement. Découvrons la Pointe du Hoc avec Noah, Jules, Julien et Maximilien. La Pointe du Hoc se situe à l'est de la Haute-Normandie. C'est un lieu qui fut bombardé par les Alliés avant le débarquement du 6 juin 1944. L'assaut de la Falaise est lancé le matin et le site est enfin pris par les Américains 2 jours plus tard, le 8 juin. Aujourd'hui, il ne reste plus que des bunkers et des cratères formés par les jets de 700 tonnes d'obus et de bombes. Après ce bon bol d'air, direction le musée d'art romanche construit pile en face du port artificiel élaboré par les Alliés juste après le débarquement. Reportage de Marine et Lélia. À Romanche-les-Bains est une petite ville de Normandie qui est notamment connue pour son port artificiel construit à la suite du débarquement du 6 juin 1944. La ville était dans le secteur de Gold Beach, l'une des plages attribuées aux Anglais. Le musée et le reste du port artificiel sont là pour rappeler le sacrifice, le courage dont ont fait preuve les soldats lors de cette opération et surtout la prouesse technique réalisée par les Alliés. Créé en 1953, le musée d'art romanche est situé face à la mer où l'on peut voir d'énormes blocs de béton qui sont les vestiges du port artificiel. La visite commence par les galeries des grandes maquettes animées du port, surnommées le port Winston en hommage au premier ministre de l'époque, Churchill. La suite de la visite permet d'admirer une remarquable collection d'objets et de documents d'époque, nous aidant à mieux comprendre cette période de la Seconde Guerre mondiale. La visite se termine par la projection d'un film qui fait partie des archives britanniques et qui montre la conception, le transport, la construction et le fonctionnement de ce gigantesque port artificiel. Après une bonne nuit de sommeil, les élèves requinqués ont visité le mémorial Pegasus. Lieu impressionnant qui nous a permis de visualiser tout ce que nous avons pu apprendre sur le Pegasus Bridge, les planeurs, véritables coquilles de noix. Laissons la parole à Mélanie et Aline pour présenter ce musée. Le dernier jour, nous avons bénéficié d'une visite guidée au mémorial Pegasus à Bénouville. Le musée a été créé en hommage aux 12 000 soldats des forces aéroportées britanniques qui avaient pour mission de prendre les ponts de Bénouville et Ranville. Ces hommes ont été les premiers à poser le pied en Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin. Le pont de Bénouville a été pris à 00h30, l'heure des Alliés. Pour l'accomplissement de cette mission, les planeurs ont été essentiels. En effet, beaucoup d'Alliés sont arrivés sur le sol français à bord de ces engins volants qui offraient l'avantage de ne pas faire de bruit. Merci Mélanie, merci Aline. Cette journée s'est poursuivie par la visite du cimetière américain. Ce lieu, sur territoire français, est géré par les États-Unis. Très strict en matière d'autorisation. Ah oui, tu te souviens, nous avons dû passer un point de contrôle. Très impressionnant. Découvrons ce lieu avec Lola et Maëlle. Le
cimetière américain à Colville-sur-Mer surplombe Omaha Beach, surnommée Omaha la sanglante. Il rassemble 9385 croix, toutes blanches et parfaitement alignées. Les allées délimitées par une LED permettent de visiter le cimetière. La grande majorité de tombes recouvertes de pelouses ont une croix chrétienne, mais environ 150 autres portent l'étoile de David. Les écritures en or figurent sur trois croix. La médaille d'honneur récompense les soldats qui ont montré un courage exemplaire. Un monument aux morts répertorie les noms des soldats dont le corps n'a pas été retrouvé. Au centre du cimetière se trouve une petite chapelle où les visiteurs peuvent se recueillir. Nous avons visionné un film qui transmettait des témoignages émouvants de soldats qui ont participé au débarquement. À 16h, nous avons vu assister à la descente des drapeaux haussés et puis entendre la musique hommage à de très nombreuses victimes du débarquement. Oui, effectivement, la sécurité était plus que présente. Mais partons maintenant pour Ouistreham avec Robin et Aymeric. Le 22 mars 2018, nous avons visité le grand bunker allemand du mur de l'Atlantique, situé sur les côtes normandes à Ouistreham. Celui-ci a été pris aux Allemands par les Britanniques le 9 juin 1944. Dans cette forteresse très étroite, les conditions de vie étaient difficiles, car les soldats étaient souvent en surnombre. Chacun des 53 habitants avait un rôle défini, du médecin au simple soldat. Dans ce bunker se trouvent plusieurs salles spécifiques, comme l'armurerie, la salle des machines, l'infirmerie et la salle de communication. Au sommet de ce blockhaus est installé un outil optique, le télémètre. Cet appareil sert à l'observation des ennemis susceptibles d'arriver par la mer. Comme vous pouvez le constater, ce voyage aura été riche en découvertes et encore plus avec une activité sportive que nous vous laissons découvrir. Durant le voyage en Normandie, nous avions l'occasion d'expérimenter le char à voile sur la plage de Ouistreham. Comme nous étions nombreux, nous avons été séparés en trois groupes de 3. Pour l'instant, j'ai un peu mal aux fesses, il fait un peu froid. J'ai l'impression que les sièges sont un peu durs quand même. Moi, je suis assez enthousiaste d'essayer. Une présentation des consignes, l'explication du fonctionnement et la préparation de notre char. Ce fut l'heure du départ. Les premiers tours n'ont pas été une franche réussite, mais après les 20 premières minutes, les élèves, tous devenus de plus en plus à l'aise, et ont pleinement apprécié le moment. Au début, un peu peur, et on s'est rendu compte en fait à la fin que ça allait, même si des fois le char à voile il se sort de roue. Non, c'était bien, on a les sensations, on ressent les bosses du sac, du coup ça secoue un peu, donc c'est bien. Très bonne expérience, c'était génial, à refaire. Voilà. Donc c'est avant tout ça qui m'a motivé à partir de cette activité et passer le diplôme de façon à pouvoir l'encadrer. Voilà. Les règles du char à voile, c'est qu'on peut être amené à avoir des conditions qui peuvent être plus ou moins difficiles. On peut avoir des publics aussi qui sont différents et parfois ça peut être la sécurité vis-à-vis des personnes et des chars à voile quand on est sur la plage parce qu'on est au beau milieu de tous les chars à voile. Merci à Maël, Mathéo, Jules, Julien et Noah et tous les participants. Maintenant, la météo de Lucas et Lucille. Le temps ne nous a pas toujours gâtés, n'est-ce pas Lucas ? En effet, Lisa, les températures cette année ont été très mitigées. Ouais, un peu comme nos résultats, quoi. Bon, on y va ? Au début de l'année, le soleil et la chaleur venant du sud nous a motivés pour la rentrée. Ah ouais, là c'était bien. On avait des verts plus, mais bon, après... Ensuite, l'arrivée de l'automne a fait tomber les feuilles de couleur rouge et jaune. C'est bien ce que je te disais. C'est rouge, c'est jaune et ça tombe. C'est comme nos résultats. Ensuite, le mois de décembre et sa neige froide venant du nord nous a ravis et nous a offert une semaine de vacances. Ah bah heureusement, hein. Comme ça on a pu éviter le désastre avant Noël. Autant pas cumuler les rouges. À Noël, sa magie nous a gâtés de plein de cadeaux. Nos bulletins, c'était pas des cadeaux. Par contre... En mars, le collège nous a organisé un voyage dans un endroit ensoleillé, tropical et paradisiaque. Non, je rigole, on est parti en Normandie, mais bon, c'était cool quand même. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Le soleil de la Normandie nous a fait oublier les cours et le brevet blanc. Ensuite, le printemps a fait pousser de nouvelles feuilles vertes. Mais les averses d'avril nous ont vite refroidis. Espérons que l'arrivée de l'été a ramené les bons résultats. Passons maintenant aux chroniques plateau. En effet, les chroniques seront variées et elles montreront le quotidien des élèves. Nous accueillons pour commencer la chronique culture avec Dharma. Dharma, tu souhaites nous présenter une auteure que tu aimes beaucoup, Florence Hinkel, qui est venue au collège le jeudi 12 avril pour rencontrer les élèves du club lecture. Dharma, fais-nous partager un de tes coups de cœur. Le premier roman que Florence Hinkel a publié prenait pour sujet ses élèves, car à cette époque-là, elle était
professeure des écoles. Elle avait alors 30 ans. Récemment, elle a collaboré avec 3 autres auteurs un projet de livre en 4 tomes. Chacun des 4 auteurs a écrit un livre de U4, portant le nom de son héros, Stéphane, Ennis, Corridouane et Jules. Ces personnages ont une histoire en commun, une histoire post-apocalyptique. Moi, je vais vous parler de Yanis, écrit par Florence Hinkel. Yanis est un adolescent qui vit à Marseille. U4 est un virus qui a fait des ravages à travers le monde. Rien ne semble arrêter. Il tue tous ceux qui se trouvent sur son passage, sauf les adolescents âgés de 15 à 18 ans. Les parents et la sœur de Yanis ont succombé. Un jour, Yanis reçoit, comme tous les experts de Yacht, un jeu en ligne, un message de Chronos. Le maître du jeu leur demande de venir le 24 décembre à minuit à la Grande Horloge de Paris, afin de remonter le temps. Yanis a alors un nouvel espoir. C'est là que commence son odyssée, chargée d'espérance, d'aventure et d'amour. Merci Dama pour nous avoir expliqué ce magnifique livre. Et maintenant, place à la Minute Sport avec 2 sportifs, paraît-il, Maël et Barzan. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Maël et moi allons vous présenter l'AS. Donc le mot AS signifie association sportive. Donc cette association offre un choix varié comme le badminton, la gymnastique qui n'est que pour les filles, le handball et l'ultimate. Donc les créneaux de ces activités sont de 13 à 14 heures. Vous pourriez passer prioritaire le jour où vous avez AS. Donc les élèves ne peuvent choisir plus de 2 activités afin que une majorité d'élèves y ait accès. Donc la cotisation de 15 euros pour s'inscrire sert à financer l'achat de matériel comme des raquettes ou des ballons. Dans certaines activités, l'AS propose des compétitions avec plusieurs collèges. Pendant l'AS, les 6e et les 5e pratiquent les activités ensemble et les 4e et 3e ensemble pour ne pas qu'il y ait trop de personnes et pour ne pas qu'il y ait une trop grande différence de niveau dans les activités. Une sortie est organisée en cours d'année comme par exemple l'acrobranche ou le golf. Donc maintenant, nous allons voir ensemble les résultats qu'il y a eu pendant ces compétitions. Donc pour ce qui s'agit de la gym, pour le championnat départemental, elles ont fini 5e et 7e sur 12. Et pour la Coupe du Loiret, donc pour le niveau 1, le niveau débutant, elles ont fini 4e sur 10. Et pour le niveau 2, elles ont fini 2e, 3e et 5e. Et ensuite, pour le badminton, donc ils ont fini 2e en championnat départemental. Donc il y avait Lucie, Emeline, Éloi et Valentin qui sont en 4e. Et Maxime et Alexandre qui sont en 3e mais à l'arbitrage. Il y a eu ensuite les championnats du Loiret à l'Ultimate, donc ils ont fini 5e. Merci les garçons. Suivons maintenant l'envol de nos micro-fusées avec Robin et Noah. Effectivement, environ 24 fusées ont été lancées à tour de rôle le 23, 24 avril et les 17 et 18 mai. Par classe, 6 groupes de 4 à 5 élèves ont créé eux-mêmes leurs fusées. Nos scientifiques ont recyclé des bouteilles, fabriqué des ailerons et d'autres aspects aérodynamiques. Ils ont utilisé principalement du plastique, du bois et du PVC et d'autres matériaux. Les élèves ont aussi utilisé un calcul précis afin d'évaluer la hauteur atteinte par les micro-fusées. J'ai une question. Tu dis qu'ils ont créé leur fusée eux-mêmes ? Oui, complètement. Chaque groupe a créé de A à Z sa propre fusée. Ok. Moi aussi, j'ai une question. Alors, quelle a été la hauteur la plus haute ? La hauteur la plus haute, la fusée a atteint 19 mètres. D'accord, merci. Moi aussi, j'aurais une question. Quel a été le ressenti des élèves ? Bah, y a eu une bonne ambiance, un bon esprit de la part des élèves. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le plus difficile a été la conception aérodynamisme, donc de construire la fusée, de fixer tout ce qui est le sommet, les ailerons à la base. D'accord, merci Robin. Et pour finir notre émission, nous vous proposons quelques pas de danse et d'expression théâtrale avec Lilou qui vient de nous rejoindre. Bonjour Lilou. Bonjour. En effet, le collège propose 2 activités durant la pause méridienne, le théâtre et le flamenco.
Le club flamenco a lieu tous les mardis avec Madame Gautron. Il s'adresse à tous les collégiens, même ceux qui ne font pas espagnol. Le groupe a appris deux sévillanes durant l'année. Ce sont des danses populaires de Séville qui peuvent se danser seules ou à deux. Les élèves ont la possibilité d'apporter de grandes jupes, des éventails, ainsi que des châles de flamenco. Ils ont aussi pu découvrir des pas de rumba. Tout le groupe forme un cercle et frappe dans ses mains pendant que deux élèves exécutent un petit enchaînement au centre. Certaines filles portent des chaussures à talons pour danser afin de mieux faire ressortir le son des pas. Une représentation aura probablement lieu lors des portes ouvertes du collège. Madame Croteau anime aussi un club tous les vendredis, le club théâtre. Il s'adresse exclusivement aux élèves de 4e et de 3e. Au début de l'année, les élèves ont fait des exercices pour apprendre à parler fort et à gérer l'espace, ainsi que des exercices d'improvisation. Ensuite, un spectacle a commencé à se mettre en place. Plusieurs pièces ont été étudiées et réparties entre les élèves. Parmi elles, des pièces plus classiques telles que Don Juan et d'autres plus modernes telles que Michédrat. Un spectacle aura lieu en fin d'année devant les parents et les élèves du collège. J'aime bien la diversité des pas et des danses et puis aussi le côté oriental du flamenco. Moi j'aime beaucoup l'ambiance et aussi la culture espagnole, ça nous parle beaucoup vu qu'on fait déjà de l'espagnol et en danse c'est très original je trouve. On a appris des sevillanes, des rumbas, on a appris plein de nouveaux pas, ils sont tous très variés. Au début elle nous fait la danse, puis après enfin, on l'apprend petit à petit, morceau par morceau. Et après, on essaie avec la musique. Faites-vous du flamenco moderne ou classique ? Ah, bonne question. Eh bien, les deux. En fait, je suis partie des sévillanes avec eux et j'avais aussi envie de leur faire écouter des chansons très classiques, du peuple gitan et puis aussi de la guitare. Et puis, j'avais aussi envie de leur montrer que la rumba, donc c'est un des genres du flamenco qu'on est en train d'étudier et puis d'apprendre. C'était pas seulement quelque chose de traditionnel et que c'était en train d'évoluer, donc on fait un petit peu des deux. Oh, t'es un salaud, une vieille vache, une planche pourrie, un traître. Je sais même pas ce que c'est un traître, drague. Mich, regarde, hop, Mich, hop, canapé, hop, 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 relève-moi, drate, oui, Mich, embrasse-moi, drate, et promets-moi qu'on ne seront jamais ennemis. Nous ne serons jamais ennemis. Je te promets. Très bien. On y va sur le texte. C'est bon, la tête rite, vous pouvez entrer. I am exigeant et fidèle, là, comme moi. Avance encore vers moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui, avec leur usure, si Aymon ne doit plus pâlir quand je pâlis, Salomé, la laisse pas non plus 3 heures, faudra vous donner. Voilà, à partir du moment où elle lance des coups de poing, en fait, tu vas entrer. Drate ? Drate ? Qu'est-ce que tu fais, Drate ? Je m'entraîne, Mich ! Pourquoi ? Pour le jour où mon ennemi viendra, Mich ! Je veux te sauver, Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois ? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse petite Oedipe ! Vous pouvez seulement me faire mourir. Arrête.
écoutez, et si je te fais torturer? Ça fait longtemps que je l'enseigne et je suis convaincue des bienfaits qu'elle apporte aux élèves sur le plan scolaire, parce qu'ils apprennent énormément pour poser leur voix, s'exprimer en public, ils acquièrent une culture générale. Et sur le plan personnel, ils sont moins timides, je pense que tout le monde le sait avec l'activité théâtrale. Ils découvrent des choses qu'ils ont en eux, des ressources qu'ils ne soupçonnaient pas aussi, parce qu'ils sont obligés de travailler en groupe. On ne peut pas faire du théâtre tout seul en laissant tomber le reste de la troupe, sinon tout le monde se casse la figure. Et ça crée une solidarité au sein du groupe. Le thème du spectacle, c'est la friction, l'opposition, la bagarre. Merci pour toutes ces informations. Et voilà, c'est fini. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cette émission et nous tenions à remercier tous ceux qui ont participé. Donc élèves, professeurs et Monsieur Baumet de l'atelier Canopée 41 qui nous a coachés pendant de longs mois. Merci également à Monsieur Roig, notre principal, qui a permis la réalisation de cette émission. Ciao à tous. Place au générique.